Bonjour à tous et à toutes, je suis Raelus et aujourd'hui nous retrouvons enfin sur la suite de God Hand Sun 2. La dernière fois on a découvert. Alors attendez que je me rappelle parce que ça fait longtemps. Oui, on était de ce côté du continent. Tout ce côté là. Et on est passé. On était à Emuria, nous avons appris une nouvelle psy énergie. Qui nous a permis de détruire un gros caillou en face du Gondwan, qui nous a permis aussi d'aller dans ce nouveau continent. Et je suis toujours malade avec ce hoquet de merde. On a exploré l'île au sud-ouest d'Ateka. Et on s'est baladé sur la colonie d'Esperia. Et puis on a capturé le djinn. Et aujourd'hui je sais pas quoi faire. Donc du coup on va se balader. Je pense peut-être aller par là parce que là il y a une zone entourée de cailloux, donc peut-être que il y a quelque chose à faire. On y va calmement. Et ce que j'aimerais bien aussi, c'est de finir ce jeu. Là j'espère le finir peut-être sur les 2 semaines que j'ai, c'est-à-dire je vais faire que ça. Peut-être d'autres vidéos en parallèle, mais ce sera soit un rétro soit un fan game. J'ai pas de non. Ah, une invocation dans les dents et puis on finit à l'attaque basique. Oui, donc je disais, j'ai peut-être une vidéo ou deux pendant les Golden Sun. Ce sera soit un rétro soit en fait un fan game. Peut-être que je trouve un rétro parce que ça fait longtemps que j'en ai pas présenté, je pense savoir lequel. Vu que là je l'ai retrouvé j'en ai retrouvé il y a pas longtemps, il y a 2 jours perso. Oh c'est beau. Oh là là. Les détails. Je sais pas où aller. J'ai raté la sortie. Allons à droite parce que j'ai envie. Ben voyons. Évidemment, caverne de chaman. Allons-y discrètement et profitons de cette musique. Un passage se libère. Je pense que lorsque ce sera comme ça, oula, il y a des cailloux, je ne peux rien faire. Alors, Gerwolf et Gera. Bah putain, pour les noms, vous êtes pas foulés. Faut vraiment que j'aille acheter un équipement potable pour ce continent. Bah level up. Ok. Donc je vais continuer. Est-ce que j'ai esquive? Bah ouais. Ah non. Voilà. Hop, y'a un djinn là. Nom de Dieu. Pourquoi? Moi je les capturerai plus tard. Ces cailloux avaient l'air d'être déplaçables. Et donc là. Ok, ça m'emmène au cailloux. Ok. Encore bah... Bon. Un rayon rond. Tu décèdes. La première fois qu'on voit une psy énergie, mon dieu.
Voilà, et puis les autres, je l'ai fini. Bah voilà, il reste plus qu'un. Tranquillité. Quand même là, si je suis pas prêt pour des monstres pareils, je pense que s'il y a un boss, je serai pas prêt du tout. J'espère qu'il n'y en aura pas quand même. Pas que ça m'ennuierait, mais je suis pas prêt. D'accord, ok, pas le choix. Un village, allons-y. Village de Shaman. Alors, ok. Ville où les gens habitent dans des tentes. Il y a des maisons. Un chemin à droite. Il y a une corde. Et un lierre. Ah ah, tu crois que je t'avais pas vu? On va aller voir le lierre. Ok, comment fait-on? Ah, je sens le passage derrière la maison. Je le sens bien. Reviens. Ah, qu'est-ce que je disais? Passage derrière la maison. Encore faut-il le trouver. Il est là. Ça, c'est une chambre. Voilà. Alors, allons-y, bourgeon. Bourgeon. Un coffre avec un équipement craqué. Bien craqué qui booste les PP. T'es sérieux? C'est Pavel la plus basse défense. Ah putain. Ah, je suis sidéré. Ah mais il peut plus porter de bouclier. Sérieux? Putain, je suis déçu. Un bouclier qui lui fait mais rien du tout. Bon, ça c'est fait. Ensuite, la corde. Ouh, un magasin. Oh putain. Ah, ouais, parlez-moi. Je vous ai fait quoi? Putain, c'est les gens manquent de respect. Oh! Eh, hey, mais moi je viens tranquille, oh! Oh, calme-toi! Oh, 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 tu veux te battre? Tu veux te battre, c'est ça? T'as un problème. Moi je peux lire dans tes pensées, gars. Putain, oh! Putain, ça veut dire qu'il faut que je monte un truc. Qu'est-ce que je peux te montrer? Ah, je vais t'empoisonner! Bon. Je reviendrai. T'en fais pas pour ça. Un feu, ok. Ah, il y a un djinn. Salut le djinn, dis-moi que je peux venir. À moins que... Évidemment non. Salaud. Voilà, c'est fermé. Salaud. Ah, t'es toi. Oh là là, que faire, que faire. Bon, tout non plus, évidemment.
Ah mais je fouille. Oh, qui c'est? Évidemment. De Dieu. Bon, réfléchissons. C'est un objet. C'est un objet qui me sera utile. Soit l'alarme, soit le trident, soit le bâton chaman. Allez, on va essayer. On va essayer le trident. Il est où le trident? Évidemment, c'est avec L et R que je fais ça. Évidemment, c'est pas L. Oh, ça m'énerve. Bon. Voyons. Je sais pas, je cherche. Oh, je vais chercher, je reviens. Mon Dieu. Alors, j'ai fait qu'un seul objet. J'ai fait genre, je me suis rendu compte d'un truc en bout de 30 secondes. Je vais montrer qu'un objet. Donc du coup, je me dis, c'est un piège. Va te faire foutre. Bah voyons. Évidemment, c'était ça. Salaud. Quelle bande de connards! Ça y est, les maisons s'ouvrent. Bah génial, je vais pouvoir m'acheter de l'équipement. C'est ce que je voulais! D'abord, je relis. Et je veux le jean. Je veux le jean. Je peux pas! J'ai le téléphone qui sonne, bordel! Ma vie est absolument géniale en fait. Je sais pas quoi faire. Et ensuite il y a le téléphone. J'aime ma vie. Donc, oui. Va te faire foutre. Ouais, c'est ça, bah tant pis. Bon, faisons le défi là. Non, allons acheter l'équipement. L'équipement. D'abord l'équipement. C'est important. Putain, tu fais exprès là. Vous foutez. Ok. Ok, ça va chier. Je peux pas acheter l'équipement. Je vais défoncer tout le monde. Je suis là, connard. Pff, cette merde. Je vais te la défoncer, cette merde! Ah non, c'est tourbillon. Par les pouvoirs du vent! Je voulais sortir une attaque de Senseiya. Mais j'ai pas pu. Bon, y'a un coffre.
Oh mon dieu, le sable s'enlève! Mais comment? Je suis en train de me dire que je suis un peu trop con. Il y a un coffre là et puis je l'ai pas pris. Je suis dégoûté. Je suis tellement dégoûté. Ah bah c'est bon, je peux aller le prendre. Ah oui, montre-moi que le chemin de droite. Oh, j'ai parlé, Pavel a parlé, bordel de merde. Ça me rappelle le Colisée dans le premier. Ouais, 2 secondes, je récupère le coffre. Une noix, parfait. Bon, alors il faut que je donne des trucs. Où est sa défense? Sur, bah, sur Lina, Cilia. Pas le choix, très bien. On sauvegarde et on y va. Je prends la route de gauche. Un petit coup de soin et de jean. Comme as. Et on sera bientôt ready. Prêt, 3, 2, 1, je prends celle-là. Go! Oh putain de bordel de merde. Oh dis-moi que c'était pas un... Dis-moi que c'est un raccourci. Oui, parfait. J'ai une petite avance. Je vais passer le ticket. Faut vraiment que j'utilise un truc. Putain, les noix. Ah putain de téléphone de merde! Allô? C'est génial d'être dérangé, j'en ai commencé à en avoir marre. Je suis navré.
mais c'est comme ça la vie. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, le combat. What? Oui. Je sais pas, mais placer l'objet dans le coffre. Bah place un objet. Putain. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Je vais abandonner parce que je... Putain de merde. Ok. Une potion, très bien. La potion, la potion, la potion. Non, dégage. Là c'est la potion. Bordel de nom de Dieu. Oui. La potion. Donnez. Je comprends pas là. Il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, j'abandonne là, je comprends que dalle. Ouais, tais-toi. Wow. Non. Bon, quelle entrée. Pause encore parce que je comprends pas ce qu'il faut faire. Bon, bah, j'ai pas le choix de regarder une soluce. Parce que c'est chiant. Parce que je commence à en avoir marre, donc il faut laisser un objet lourd type arme. Merde! Voilà ce que je leur dis. Bon, allez, on y croit quand même. Go! T'as laissé une arme. J'ai que ça à faire, bordel. Bon, d'accord, ils veulent que je laisse une arme. Pff, ah, chier. Mais j'ai pas d'autre arme. J'ai rien, bordel. Voilà, ça je peux pas. Regardez. Ah si, je peux laisser des pièces d'équipement. J'ai pas une pièce d'équipement qui traîne. Non. Bah non, tiens. Ah bah tiens, toi ça... Voilà, allez, voilà, ça c'est fait. Il y a intérêt à ce que je la récupère. Il y a vraiment intérêt. Une énigme débile celle-là. Mon dieu, je pense que... Je pensais que je pouvais faire mieux avant. Oh là là, c'est dur. Est-ce que ça influe quelque chose au moins? Je vais quand même prendre le temps d'avoir l'objet. Bon. Je suis une salle en avance d'après ce que je vois. Donc tant mieux. Une fiole, ok. Des objets pour rendre des points de vie. C'est que c'est chaud. Qu'est-ce que je vais placer? Oh.
Pardon. Bon. Allez, vas-y. Non. Voilà. Ça c'est fait. On est marre. Bon. C'est dur. Là j'ai pas le temps. Tac. Ah bon, voilà, ça se sort juste en rien. Ouais, j'ai quand même le temps de... Non, j'ai même pas le temps de le prendre. Je vais speeder un coup. Bon. Non. Salte. Oh putain, c'est plus énergique. À ton tour. Même pas. Par contre, ça oui. Salaud de jeu. Allez, dernière salle. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Même pas chercher à comprendre. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Creuser, creuser, creuser. Là. Non. Débile. Oh putain, c'est rapide. Voilà, qu'est-ce qu'on va placer ici? 104, 103, bat-toi. Allez, vas-y. Fin, point. Allez, au revoir. Putain, pas fini. Faut faire quoi? Faut faire quoi? Arrivez là. Merde. Ok, on garde. Allez, vas-y. Chier les briques. Bon. Je vais viser tes chevaliers en premier parce qu'ils m'ont l'air assez chiants. J'ai plus rien en équipement. J'en ai marre. Je vais me prendre des dégâts mais astronomiques. Oh, pas mal ça. Écran l'air. Ainsi que le feu. Ouais, pavé les morts. Trop bien. Je suis enjaillé là, c'est énorme les mecs. Bon, je vais tout mettre sur le premier chevalier si je peux. Voilà, s'il est mort. Voilà, pire ça mourir. Ouais bah non, j'abandonne là. Allez, je crève, puis voilà. Non mais pire c'est mort hein. Voilà, pire c'est mort. Ciao.
trop bien. Ils m'ont rendu mon équipement. Oui, alors pourquoi je n'avais pas d'autres équipements, plus d'équipements que ça? C'est ça que je ne comprends pas. Je me suis fait défoncer ma gueule. Bon, on pause. Puis je vais voir. Je reviens, je me marre. Bon. Alors, ce qui va se passer, et parce que j'en ai marre, je vais faire une petite phase de farm. Donc, je vais faire ça en accéléré. Je vous mettrai une petite musique, évidemment, pendant ce temps-là. Donc, je vais farmer dans cette zone. Je pense qu'il y a moyen de up un ou deux niveaux en moins d'une heure. Sur ce, c'est parti pour l'accéléré. Bon, j'ai upé tout le monde au niveau 29. Là, il faut que j'essaye de trouver une strat. Donc, fleur, je garde. Legend pour ressusciter aussi. Booster mon agilité. Ça peut m'aider aussi. Quoique non. Un bouclier d'eau, ça oui.
faire. Et je pense que c'est bon. Voilà, allez, on y croit cette fois. Moi, j'y crois. Et j'espère que ça va marcher. Allez. Donc, un chevalier. Enfin, un chevalier en premier. Booster ma défense. Mon agilité. Là, je lance Thor. Et je crée un bouclier. Là, je me mets full défense. Déjà, pour commencer. Ça a l'air de marcher. Voilà, pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Là, j'utilise fleur. Soit j'attends un tour. Je vais attendre un tour. À moins que... Non, bon, bah, pas le choix. Je vais prendre un risque et attendre un tour. À moins que... je vais utiliser... Non, je vais utiliser une potion. Utiliser une potion sur Cilia. Et toi, Boreas. Ensuite, prochain tour, j'utilise Fleur. Là déjà, avec mon gain d'agilité, j'ai pu attaquer au premier tour. Et yeah, un chevalier en moins. Ok. Ah, là par contre, là, voilà, Lina morte. Pire ceci, bon. Donc la fleur. Et j'utilise l'autre jouvence sur Lina. Voilà, je récupère des points de vie. Ensuite, ce qu'il faudrait faire... Ouais. Ouais, soin sur Cilia. Là, je fais Amadou sur Pierce. Et soupir sur... sur Pavel. Ça marche parfait. Pour l'instant, tout va bien. Normalement, Lina a deux jeans. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quoi? Acier, aspi. Parfait, je vais prendre l'épée du chevalier. Ah, j'aurais pu utiliser Aura Cure. Je vais attendre un tour en me soignant. Avec une noisette. La Scylla Blitz. Et là, je vais. Je vais pas prendre de risque. Je vais faire prière sur Lina quand même. Bon, elle a utilisé une noisette, c'est pas grave. Voilà, normalement là j'ai aura cure. Je vais pétrifier moi pas. Normalement j'ai. Putain, quand est-ce que j'ai aura cure? Bon, tant pis. Merde, j'ai oublié ce que j'ai fait. Pétra sur moi pas. La canon sur le chevalier. Ensuite le chevalier, tout sur le chevalier. Et au prochain tour, je balance 3 invocations niveau 4. Si tout va bien. Là, je pourrais balancer Thor. Yeah, il est endormi en plus.
Là, si tout va bien, je gère. Un petit peu de strat qui marche. Avec les RNG. Là, la défense. Météore. Thor. Et Boreas. Normalement, c'est bon. Le chevalier, il est mort. Ah, mais j'ai mon bonus d'affinité qui est gardé. Ça, c'est cool. Voilà, le chevalier est mort. Et je booste ma défense. Et là, Boreas. Et ça devrait être son avant-dernier tour. Voilà. Parfait. Tout va bien. Reflux, parfait. Source. Là. Apocalypse. Je vais essayer de contrer sur Cilia. Gel pour baisser son attaque. Et restaurer les points de vie. Le Pierce. J'ai bien fait. Et là normalement ça devrait être bon. Oui. Enfin. Putain, yes. Ah, je suis heureux. Ah. Enfin, bordel. Oh, enfin. Finalement, j'ai bien fait de farmer. Bon. On va s'équiper. Pardon. On va s'équiper du jade flottant. Flotter. Donc, équiper. Et donc, flotter me permet de faire plein de choses. Ah, ça fait du bien. Donc là, vite, je vais profiter que tout soit ouvert pour enfin acheter. Oh, vache. Ouh. Lame d'argent. Personne. Samshir. Personne. Ah, non, ils ont rien. Bon, bah, je vais rendre des trucs. Fungus. Non, la griffe de Foon, je la garde. La plume, je la... Là, bon. Là, le ticket de jeu, je sais pas à quoi il sert. Donc, je vais le vendre. Ensuite. Élixir, je le vends. Voilà. Là. Le somnifère, je le vends. Ça, je le garde. Et puis là... les gantelets, je les vends. Quoi d'autre? Si c'est... Bah, si ça a besoin d'être traité, ça veut dire que je pourrais les revendre plus tard. Donc c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah, les choses basiques. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est aller là. Ouais, vas-y. D'accord. Bon, maintenant il me faut le jean qui se trouve ici. Oh, calme-toi. Est-ce que je peux... Oh, je peux te soulever. Est-ce que je peux déjà lire dans tes pensées, flotter. Oh, ça sert que ça... Oh, ça sert que ça sert. Attends. Ah non, c'est soulever la psy-énergie, c'est vrai. Bon, ok, donc flotter va me servir à autre chose. Télépathie. Très bien. Donc, est-ce que flotter va me servir? Je vais retourner à la route du courage. Déjà.
Ah, je suis content là. Comme quoi, farmer un niveau et avoir un peu de RNG de son côté, c'est cool. Donc du coup, je vais faire l'autre route. D'accord. Donc là, évidemment, c'est simple. Je veux dire, qui n'aurait pas compris? Je prends le temps de faire ces énigmes là. Vu que là c'est tranquille. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il fallait faire. C'était un truc plutôt long à faire. Bien en fait, pas prendre ce chemin en premier. Ensuite, la deuxième salle. Bon, bah là, évidemment, hein, on pousse tout en haut. Voilà, donc là effectivement, la route de droite est plus longue que la gauche. D'accord. Donc là il y a des coffres. J'en récupérais un quand même. Paf, une noisette. Là je vais le détruire. Je vais récupérer les coffres dans cette salle. Quand même. Tant que c'était le mauvais chemin. Ok, noisette, potion et fiole. Bon, ce temps ça va. Et je suis en train de me rendre compte d'un truc. Ouais, je suis en train de me rendre compte d'un truc énorme, c'est que je suis en train de faire le mauvais côté du chemin. Exactement. Je suis trop con. C'est par le chemin de gauche qu'il faut aller. Bon, ça, ça marche plus, évidemment. Heureusement qu'il y a des sorties rapides. À gauche, voilà. Là, ça ira déjà mieux. Thank you.
Je dis pas grand chose parce que je voulais s'apprécier la musique en fait. Parce que voilà, il y a de l'action, mais la musique, elle est belle. Bon, là c'est la dernière salle. Voilà. Voilà, on y est enfin. Ici, donc, si j'utilise flotter, que va-t-il se passer? Oh! Ah! Ok. Ouais. Très bien. Oh, regardez-moi ce fond, bordel. C'est beau. Donc, ouais, c'est pas ce que je voulais. Donc, flotter. Il y a trois chemins. Et donc là, qu'est-ce qu'il y est bloqué? D'accord. Il me faut la petite énergie de l'autre groupe soulevé. Et là, il n'y a rien en fait. Non. Très bien, donc je vais fuir de cet endroit et je vais capturer le djinn, bordel. Et donc, flotter en fait. D'accord, ouais, ça sert pas à grand-chose. Ne marche pas ici. Non. Incroyable. Oh putain, saleté. Connerie que tu es. Tu me fais perdre mon temps. Évidemment, je fais un truc qu'il faut pas. Voilà. Bon, le djinn maintenant, comment je fais pour l'avoir? Oui, c'est ça. Allez. Ah non, c'est... Oh zut. Oh, je me souviens plus de rien maintenant. Je vais quand même aller voir mon papa s'il est là. Il est là. En même temps, c'est à prendre respect. Voilà, ici. Bien, maintenant, ce djinn-là. Comment faire pour l'avoir? Bon, déplacer, ça marche pas. Évidemment, non. Flotter. Non plus. Comment pourrais-je faire? Question. Alors comment dire que je suis trop con? Tout simplement parce que c'est le cas.
Oh là là, je suis fatigué de ce combat. Ce combat m'a tellement fatigué que je ne sais plus quoi faire. Voilà. Il y avait ça à faire. Voilà, juste ça. Juste ça à faire et ben je l'ai pas fait, voilà. Bon. C'est lourd. Moi après je m'arrêterai. Parce que je crois que j'ai bien fait une heure dont la moitié de rien. Voilà, c'était débile. Débile, débile, débile. Et il me rejoint. Allez, à moi. Je l'ai bien mérité. Arum. Ouais, je suis bientôt full jean là. Voyons. Restaure PP du groupe. On va te donner. Toi. Non, toi. Donner à lui. Et toi. Oh, on peut pas le donner, merde. Zut, bon, voilà. Voilà, c'est tout. Je ne sais, je vais sortir. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode qui aura duré peut-être une heure, largement. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des Golden Sun 2. Je vous dis bon jeu, et à la prochaine.